Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un haul mode pour enfants. Donc, j'ai fait une très très grosse commande de vêtements pour enfants, filles et garçons. Je vais vous montrer les pièces que j'ai achetées. J'ai profité, il y avait une promotion chez H&M. C'était des prix très, vraiment très très intéressants. Alors les articles, il y a des vêtements d'hiver et aussi des vêtements mi-saison. J'ai pas encore commencé à acheter des vêtements malgré qu'on est fin avril, mais ici le temps n'est pas très sûr, donc j'ai pas encore commencé à acheter des vêtements d'été. Voilà, sans trop tarder, je vais vous montrer déjà la commande, enfin le carton. Il est géant. Donc j'espère que vous avez un petit peu de temps pour qu'on voit ensemble tout ça. Alors je vais vous montrer déjà le... Alors je vais essayer de vous donner les prix en même temps que je regarde. Alors ça va être un petit peu... compliqué, mais je vais essayer parce que là c'est tout est mélangé, donc je vais essayer de vous donner les prix au fur et à mesure. Alors là c'est un pull. Vous allez me dire là on n'est plus en période hivernale pour mettre des pulls, mais en fait c'est une commande que j'avais fait il y a très très longtemps et il y a eu un petit souci, donc il y a eu un retard, la commande s'est perdue, etc. Donc le temps de recevoir ma commande, c'est plus l'hiver, voilà. Donc c'est vrai qu'elle a mis un petit peu beaucoup de temps. Alors je vous montre déjà le premier article qui se présente comme ceci. C'est un pull pour filles, comme vous voyez. Alors, et la petite capuche là, très très mignonne et très jolie, le petit lapin là, et très beau. Alors, je vais le mettre dans un cintre pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, donc il y a des poches ici. Bon, enfin, c'est pas des vraies poches, hein, parce que, hop, des poches, enfin, si, c'est des poches, mais bon, c'est pas pour, voilà. Alors, le tissu, il est super doux, il est vraiment, vraiment très, très, très doux, j'adore. La couleur aussi, j'aime bien, my favorite friend, c'est marqué. Et puis ben le petit la petite capuche comme ça, vraiment c'est très mignon, c'est très joli. Ma fille adore. Moi je l'ai commandé en taille 8-10 ans. Donc taille Europe c'est 134-140. En fait les tailles H&M c'est ça taille grand. Donc faut faire attention. Moi, je l'ai pris 8-10 ans. Il va être un petit peu grand, mais ça fera comme une tunique, quoi. Donc, elle pourra le mettre avec un jean slim, avec un legging. Donc, voilà. Donc, le prix de ce sweat. À capuche. En polaire, voilà, donc je cherchais le mot. En polaire, 14,99 €. Et après la remise, il m'a coûté 8 €. Donc vous voyez la différence quand même. Donc à la base, il coûte, bon, pour arrondir 15 €, je l'ai eu à 8 €. Franchement, nickel. Toujours pour ma fille. J'ai pris une petite doudoune sans manche.
Ah, elle est trop belle. J'adore. Sur le site, il y avait plusieurs couleurs. Il y en a encore, il me semble. J'ai regardé dernièrement sur le site, il y en a encore. Il y a le bleu et le kaki. Alors moi, ma fille, elle est... c'est du... le rose et le rose. C'est une fille, vous allez me dire. Donc, pareil, la même taille, 8-10 ans. Elle est trop belle. La doudoune, franchement, elle est magnifique. Alors, il y a ce petit détail sur la fermeture éclair, brillant. C'est très, très joli. J'adore, j'aime beaucoup. L'intérieur aussi. La capuche. Bon, c'est pour la mi-saison. On peut mettre un pull en dessous. Donc, je vais la mettre pareil sur le cintre pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Elle se présente comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Hop. Comme ça. Et tout en haut, il y a un bouton pression. Ah non, pardon, excusez-moi. C'est pas... En fait, les boutons, c'est uniquement pour tenir la capuche. Ouais. Les boutons, c'est pour tenir la capuche. Donc, voilà. Mais sinon, il y a une fermeture éclair, c'est suffisant. Donc, elle est trop belle. Alors, donc, cette doudoune, elle m'a coûté 24,99 €. Je l'ai eu à 12 €. Donc, c'est très, très intéressant. Et il y en a encore, hein, si vous voulez aller sur le site. Alors, j'ai un petit haut, cette fois-ci. Là, c'est plus mi-saison, on va dire. Donc, il est super beau. Il est très, très joli. Attendez, je retire l'étiquette pour que vous voyez bien les motifs. Little Bird. Et il y a le petit détail en bas. Donc, le petit détail qui fait ça. Très, très joli. J'adore. Je trouve ça... Cette couleur aussi, j'aime bien. Puis la même taille, hein, 8-10 ans. Donc, je l'ai pris... on peut le mettre cette période-là. Donc, il est... super beau. Alors ce donc où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, deux euros. 2 €, je me souviens même plus des prix. En fait, j'ai fait cette commande il y a tellement longtemps que je me souviens même plus des prix. Mais franchement, 2 € pour ça, je suis vraiment satisfaite de mon achat. Très bien. Bon bah 2 €. C'est super. Alors, j'ai encore un autre article. Ah mince, j'arrive pas à l'ouvrir correctement. Je sais pas, j'aime pas déchirer les... Les sacs, j'aime pas. Alors, donc là, c'est une tunique. Alors, là, je ne sais pas si vous voyez vraiment, vraiment bien comme il faut. Comment elle est, cette tunique? Parce que elle est pas repassée. Mais franchement, elle est super belle. Le tissu, il est très très doux. Les manches, ils sont comme ça, élastiques. Il y a des boutons là sur le devant. Elle est un peu large ici, en bas. Et elle est trop
belle. J'adore, franchement. J'aime bien. J'aime bien. Je la trouve très très mignonne. Et puis ben pour cette saison là, le printemps, elle est superbe. Franchement, je suis très contente aussi. Donc là, c'est une blouse en viscose. Alors à la base, cette blouse coûtait 15 euros. Je l'ai eue à 3 euros. Franchement, je suis très contente. Très très contente. Alors, il y a aussi une petite jupe. Alors, ma fille, c'est Miss Jupe et Miss Robe. Elle adore ça. Donc, du coup, comme toutes ces jupes et robes sont devenues trop petites, donc j'ai voulu renouveler un petit peu sa garde-robe. Et j'ai profité pendant qu'il y avait cette promotion. Et franchement, ce style avec dentelle comme ça. Regardez le bas, comment il est. C'est super joli. C'est élastique. Et elle est trop, trop belle. Franchement, je suis très, très contente. Pareil, il y avait plusieurs coloris, il me semble, cet article. Donc, du coup, la jupe. Cette jupe-là, combien elle m'a coûté? Alors, jupe en dentelle bleu foncé, à la base, elle coûtait 12,99 € et je l'ai eue à 5 euros. Franchement, j'aime bien H&M parce qu'ils ont des produits originaux qu'on ne trouve pas partout. La qualité, elle est très bien. Et en même temps, quand ils font des promos, c'est très très intéressant. Alors là, on va rentrer dans une gamme différente. Toujours des produits pour ma fille, hein, des articles pour ma fille. Mais en fait, elle est à fond dans les licornes. Bon, c'est à la mode, hein, en ce moment. Donc les licornes, elle adore ça. Donc du coup, je lui ai commandé cette robe avec des licornes. Alors, c'est une très très belle robe. Je recule pour que vous voyez bien. Elle est super belle. Pareil, le tissu, il est très très doux. Ah oui, I am interactive. Donc, oui, alors, je vous explique. Bon, je pense que vous voyez ce que c'est, mais en fait, ça change de couleur quand vous. Voilà. Donc là, c'est comme ça. Et après, quand vous faites ça, ça change de couleur. Donc voilà, c'est à la mode maintenant, ce style de vêtements. Donc là, cette robe à paillettes, elle coûte à la base 12,99 € et je l'ai eue à 7 euros. Très intéressant. Là, j'ai un petit pull. Il est super beau ce pull. Il est très léger, hein. Même si c'est un pull, il est léger, donc on peut le mettre en mi-saison. Cette période de printemps, on peut encore le mettre. Donc c'est tout, tout, tout avec des motifs licorne, hein. Change pas une équipe qui gagne. On continue toujours dans les licornes et il est super beau, très mimi. Voilà. Et ce pull m'a coûté 7,99 €. Alors, à la base, il faisait 7,99 € et je l'ai eu à 4 euros. Très bien. Je suis très contente. Bah, j'ai pu renouveler en fait sa garde-robe du coup. Bon, je vous l'ai dit, hein, je vous ai prévenu au début que la vidéo.
vidéo allait un petit peu être longue, vu tous les articles qu'il y a. Alors, une robe rouge. Je l'ai adorée, cette robe, en fait. Dès que je l'ai vue sur le site. En fait, à la base, quand je suis allée sur le site, ce qui m'a frappée en premier, c'était cette robe-là. Je l'ai trouvée très, très jolie. Regardez. Robe en dentelle, comme ça. Elle est trop belle. Il y a juste les bras que c'est de la dentelle transparente. Mais le reste, c'est pas transparent. Hein. C'est doublé, quoi. Il y a une doublure. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Il y a une doublure en dessous. Donc, elle est trop belle. Avec une fermeture éclair derrière. Et je l'aime beaucoup. Donc, à la base, quand je suis allée sur le site, c'était pour cette robe-là. Et après, j'ai craqué. Donc, j'ai pris plusieurs choses. Donc, la robe rouge. Robe en dentelle rouge. Elle fait 17,99 €. Je l'ai eu à 10 €. Ça va. 10 €. Enfin, pour une belle robe comme ça. Ça va. Alors, ça, c'est une tunique. Très jolie aussi. Magnifique. J'adore. Alors, je vais vous montrer, en fait, parce que ça fait mi-pull, mi-blouse. C'est entre les deux. Un peu chemise. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais voilà. Donc, il y a, le col, il est comme ça. Avec... avec des petits... Enfin, broderies. Des petites broderies comme ça. Derrière, il y a un petit bouton là qui se ferme comme ça. Voilà. Et puis, en dessous, bah, c'est une chemise. Le bas, c'est le bas d'une chemise, en fait. Voilà. Ça fait un style comme ça, que je trouve très, très beau. Donc, cette... Alors, t-shirt... Donc, à la base, ça coûtait 9,99 € et je l'ai eu 4 €. Vous voyez, c'est vraiment... c'est pas excessif, en fait. Donc là, c'est une jupe. Pour Miss Tinguette, qui adore les jupes pailletées. Alors, la jupe avec un gros nœud là-devant. Qui est très très jolie, hein, on reste toujours dans le rose, hein. Et elle est pailletée, c'est une jupe pailletée. Alors le seul inconvénient, parce qu'elle en a déjà une comme ça, le seul inconvénient de cette, ben voilà, j'allais justement, ça laisse des paillettes partout. Je l'ai lavé, celle qu'elle a déjà, je l'ai lavé et tout. Et malgré tout, j'ai des paillettes partout, partout, partout. Donc, c'est le seul inconvénient. Mais sinon, elle est trop, trop belle. Ça peut être une robe habillée pour un événement, un anniversaire, enfin, voilà, une fête ou quoi que ce soit. Et ça peut être une robe tous les jours. Moi, je lui ai mis avec une veste, avec une chemise en jean. C'est super joli. Avec une chemise en jean... jean brut, c'est très beau. Alors je continue. Donc là j'arrive. Alors j'ai des paillettes partout, partout, partout avec cette jupe. Donc j'ai profité pour lui prendre des basiques. Ça j'aime beaucoup les basiques d'H&M, je les adore. Ils sont trop beaux. Bon, rien de spécial, hein. Voilà, je voulais en noir, mais il n'y en avait plus, donc j'ai pris blanc et rose. Ces deux basiques, de toute façon, on s'en sert toujours, hein, on a toujours besoin. Donc, combien ça m'a coûté?
Alors, 9,99 €, je les ai eu à 4 €. Ceux-là. 4 € les deux. Je ne sais pas si les offres sont toujours d'actualité, hein, je vous le dis. Après, rien ne vous empêche d'aller voir. De toute façon, là, il y a toujours des périodes de... Je ne sais pas si on peut appeler ça des soldes flottants, enfin des périodes où ils font des promotions. Donc vous pouvez en profiter. Puis là, comme c'est bientôt les vacances, je pense déjà aux vacances, comme c'est bientôt les soldes de l'été, donc ils commencent à liquider ce qu'ils ont comme article. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc une troisième robe. Cette fois-ci, c'est une robe encore une fois licorne, vous allez me dire. Eh oui. Donc très très belle robe. C'est une couleur comme ça. En fait, au-dessus, c'est de la tulle. Et en dessous, il y a le tissu avec les motifs licorne. Bon, elle est très belle. Alors la taille... En paillettes comme ça. Et très très jolie. J'aime beaucoup. Donc cette robe, cette jupe, pardon, elle m'a coûté... alors, à la base, elle faisait 9,99 € et je l'ai eue pour 4 €. Alors, est-ce que... Ça devient bon, ça devient bon, ça devient bon. Alors, un jean. En fait, c'est un jegging. Il est élastique. J'aime beaucoup leurs jeggings parce qu'ils sont en fait très très élastiques et très confortables. Avec des motifs de chat. C'est un chat ça ou... Ouais. Un motif de chat au niveau des genoux. Alors ma fille, elle est très très fine. Je ne sais pas si ça va être... C'est même pas un jegging, c'est un legging. C'est marqué legging. Bon. Enfin bref. Legging, jegging. Je ne sais pas si ça va être slim sur son corps parce que elle est très fine. Mais bon, ça fera pantalon. Normal. Alors on va passer... Ah non, j'ai encore un dernier article pour ma fille. Et c'est ce haut avec un petit lapin comme ça. Très très joli. Très très beau. Oui, j'ai oublié le pantalon en jean. Je n'ai pas dit le prix. Alors, il est où le pantalon? Ou le legging, comme eux ils l'appellent. Donc à la base, il faisait 17,99 € et je l'ai eu à 8 €. Et ce t-shirt, enfin, c'est pas un t-shirt, c'est un polo, un haut, qui est avec des manches. Donc celui-là, je l'ai eu à combien? Alors, à la base, il faisait 3,99 €. Je l'ai eu à 2 euros aussi, celui-là. 2 euros. Ça pourrait être super bien avec ce... Le haut et le pantalon. Bon, c'est vrai que là, on voit pas bien, mais... Si vous voulez que je vous fasse un haul, un lookbook, pardon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, on passe aux vêtements de garçon. Vêtements d'ado. Donc, j'ai pris un sweat. Mon garçon, il est à fond dans les sweats en ce moment. Il adore ça. Donc, je lui ai pris celui-là, New York.
avec une capuche, comme ça. Il est très très doux et léger. En fait, il est très léger. Alors attention, hein, faites attention aux tailles. Donc moi, j'ai commandé la taille 12-14 ans pour mon fils, qui équivaut en Europe à 158-164. Et je peux vous dire que même moi, j'arrive à le mettre. Bon, après, ça dépend de la taille de votre enfant. C'est à vous de voir. Il est trop trop beau. Donc le suite à capuche imprimé gris. À la base, il faisait 14,99 € et je l'ai eu à 8 euros. Celui-là. 8 euros. Ça, c'est un pull, un sweat, hein, comme vous voulez. Il n'y a pas de capuche, hein, dans celui-là. Hein, ils avaient mis ça sur l'imprimé. Je trouve que c'est pas mal pour éviter que ça s'abîme. C'est bien réfléchi. Alors, ça, c'est un pull couleur moutarde avec des imprimés. New York aussi. C'est très beau. J'aime beaucoup. Et en plus, cette couleur, il n'a pas beaucoup de vêtements avec cette couleur-là. Donc je pense que ça va lui aller super bien. C'est très très joli. Alors, ce suite avec impression, il coûtait 17,99 € et je l'ai eu à 8 euros, celui-là. 8 euros. Et en fait, c'est franchement, profitez-en parce que ces articles-là, surtout les suites pour ados, là, ça coûte super cher. Et ceux-là, ils sont vraiment en promo, donc c'est accessible. Make the future. Awesome. Alors, ça c'est pour ma fille. J'ai oublié, il était au fond du carton, je n'avais pas fait attention. Il est trop beau. J'aime beaucoup aussi. Elle qui n'a pas de pull de ce style-là, donc elle va être contente. Regardez, il y a petit imprimé au niveau de la manche. Voilà. C'est très beau. Ça reprend un petit peu ce qui est là, ce qui est marqué là, avec une capuche. Donc c'est très très beau. Donc le prix suite à capuche gris clair, 14,99 €, je l'ai eu à 6 euros. 6 euros pour un pull comme ça. Voilà, donc j'ai terminé. J'espère que la vidéo n'était pas trop trop longue. Je voulais partager avec vous les articles que j'ai achetés, ainsi que les promos. Donc n'hésitez pas à aller sur le site s'il y a des choses qui vous intéressent. Si vous voulez que je vous montre les articles portés, hein, faire un lookbook. Donc n'hésitez pas à me le mettre enfin, dans les commentaires. Et puis voilà, donc j'espère que je vous ai donné des petits filons, des petites astuces et ça vous a donné des idées pour vos enfants. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Salut!